Yep, les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Fustoche avec un nouveau sujet, le hack, les kamas, les goultines et le fake. C'est parti les gens. Donc avant de commencer la vidéo, j'espère que ce petit type d'introduction avant mon intro vous plaît. Donc si cela vous plaît, dites-moi dans les commentaires et je continuerai à faire des vidéos dans ce genre-là. Donc tout d'abord, on va parler du concours, étant donné que pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, j'organise un concours Kama à chacune de mes vidéos. Donc en plus, là, je suis en vacances, donc j'ai promis de faire une vidéo par jour. Donc là, il me reste encore 7 jours, donc je vais faire encore 7 vidéos, donc encore 7 concours à gagner. Du coup, pour gagner ces concours, vous devez dépasser là, pour celui-là, pour cette vidéo, étant donné que la vidéo d'hier, vous deviez dépasser les 70 likes en 5 jours. Là, vous avez déjà dépassé les 55 likes à peu près en moins de 24 heures. Donc, je peux vous dire qu'il y aura un vainqueur pour cette vidéo. Sauf si, brutalement, ça se coupe, mais ça m'étonnerait vraiment. Et voilà. Donc, pour cette vidéo-là, on va augmenter du coup le nombre de likes. Ça va être 80 likes. Vous devrez dépasser les 80 likes en moins de 5 jours. Et pour gagner les kamas, si vous voulez participer au concours, vous devez laisser un like, un commentaire constructif avec votre pseudo et votre serveur. Donc quand je parle de commentaires constructifs, c'est-à-dire une question, une blague, une petite histoire, tout ça sur l'univers d'un kama. Donc soit vous mettez tout, soit vous en mettez une. Choisirez pour moi ce qui sera le commentaire le plus constructif. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Du coup maintenant on va passer au sujet de la vidéo qui va être les hacks kama et goutines. Donc c'est vraiment que du fake. Donc ne quittez pas la vidéo si vous cherchiez un hack, puisque vous n'en trouverez jamais si vous ne m'écoutez pas. Enfin, de toute manière vous n'en trouverez jamais, mais écoutez-moi, parce que de toute manière vous allez encore chercher et vous ne trouverez pas, vous allez que perdre de l'argent. Donc oui, vous allez perdre de l'argent, et là je vais vous démontrer pourquoi vous allez perdre de l'argent. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire dès que j'ai fini cette vidéo pour empêcher, pour qu'il y ait le moins de monde possible qui se fasse hack? Je vais envoyer toutes ces vidéos, toutes les vidéos hack à Ignium, qui fait partie du staff en Kama, et c'est lui qui est censé, qui gère les strikes, c'est-à-dire les suppressions de vidéos sur YouTube qui ne respectent pas les conditions générales d'utilisation du jeu. Du coup, maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc 99% des hacks que vous allez trouver sur YouTube et même sur Google vont parler de hack generator. Donc qu'est-ce qu'un hack generator? Vous arrivez sur un site, donc c'est le lien qui est proposé dans la vidéo. Là, il va vous dire connect to your The Fustoche Game account. Donc moi, mon username, c'est Verxius. Donc on va le faire deux fois, même si vous voulez, pour bien vous prouver que cela ne marche pas. Hein. Donc là, vous allez par exemple, vous voyez, vous êtes quelqu'un d'un peu naïf, On peut pas utiliser ce terme pour ça. Vous connaissez pas assez bien les jeux et les hacks, etc. Et là, du coup, vous tombez forcément dans le panneau. Enfin, forcément. Vous tombez souvent dans le panneau. Du coup, là, vous choisissez votre serveur. Donc, moi, je suis sur Oshimo. Mon pseudo Verxius. Je suis sur une plateforme Android. Donc, là, je mets Enable Encryption. Parce que sinon, ça ne fait pas assez douter les gens. Non, mais sinon, ça serait pas drôle. Celui qui a crypté le site a en plus rajouté une fausse décryptation des données du serveur. Parce que, attendez, le gars s'embête pas quand même. Hein. Il fait ça jusqu'au bout pour bien vous faire perdre le maximum d'argent. Donc là, success, on s'est connecté à mon pseudo, donc c'est quand même très compliqué à marquer cette case. Hein. Bien sûr, c'est ironique, hein, pour les gens qui ne comprennent pas. Donc là, vous choisissez le montant de goultine et de kama. Donc moi, je mets le maximum. Vous voyez, vous mettez même, vous pouvez mettre 100 000. Vous verrez, on met les deux inverses. Là, vous faites generate. Et là, attendez. Voilà, vous êtes riche. Non, je déconne, ça marche pas les gens. Là, vous êtes en generate. Là, vous voyez username Verxius. Vous voyez connexion. À tous les coups, il m'affiche mon adresse IP. Je ne connais même pas mon adresse IP. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, il vous dit bravo, vous avez vos kamas et vos goultines. Mais pour bien confirmer, vous devrez vérifier si vous n'êtes pas un robot pour empêcher les bots. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Bien évidemment, vous allez sur un autre site. Ça vous envoie sur un autre site. Et il vous propose de faire une vérification en payant. Donc là, comment vous payez? Vous achetez soit une lampe torche sur votre téléphone, soit un truc Picomancer, je m'en fous réellement, je sais pas ce que c'est. Ou alors vous téléchargez la meilleure musique ici. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, par exemple, vous prenez lampe torche, donc le premier. Et là, si vraiment vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Et là, quand quelqu'un fait ça, tout simplement, ça déclenche un abonnement de 4,99€ par semaine. Et
Et vous, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, maintenant que j'ai confirmé, je vais avoir les kamas. Sauf que, une fois que vous vous connectez sur votre compte, il n'y a aucun kama égoultime. Égoultime, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu les 5 kamas par semaine. Les 5 euros par semaine. Par contre, là où le gars est malin, c'est que dans sa vidéo, il vous dit, ne vous inquiétez pas, faites tout ce processus. Donc là, vous voyez, generate. Je passe la vidéo, hein, on va pas la regarder. Parce que je viens de vous montrer en face. Donc là voilà, hop, alors attendez, on passe. Là, il met son numéro de téléphone, il confirme et tout. Et puis là, dans la vidéo, parce que le mec parle en même temps, hein, pour vraiment vous mettre en confiance, là, comme par hasard, il vous dit, mais vous pouvez annuler cet abonnement. Donc vous attendez de recevoir les kamas et les goutines. Une fois que cela est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous annulez l'abonnement. Mais oui, c'est vrai que c'est évident, c'est vrai qu'on peut faire ça tous les jours dans la vie. Vous allez acheter au Carrefour de la nourriture, vous la bouffez, mais vous la remboursez. On vous la rembourse, vous inquiétez pas les gens, c'est normal. Du coup, ensuite, le mec se connecte sur son compte. Et là, magie, magie, il a infini de goutines et de kamas. Alors, comme vous pouvez vous en douter, j'imagine, il ne va pas les dépenser dans la vidéo. Tout simplement parce que ce ne sont pas des vrais kamas et des goutines. Il y a certains logiciels qui permettent de changer l'affichage, mais pas la vraie donnée. Donc, c'est-à-dire que là, en vrai, il aura toujours les 200 kamas qu'il avait. Et cela ne marchera pas. Alors, il y a aussi une autre vidéo que j'ai remarqué où le mec a 46 000 goutines. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a achetés pour 60 euros. Et c'est pour ça qu'il arrive à dépenser des choses avec. Donc, ne tombez vraiment pas dans ce genre de panneau. Cela ne marche absolument pas. Il y a un hack qui existe. Je pourrais le faire si je voudrais. Mais cela fait perdre 15 euros à chaque fois que vous le faites aux gens à qui appartient ce site. Et c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Tout simplement parce que c'est entièrement malhonnête. Vous pouvez faire perdre. Allez. Je pense pour vous faire 20 millions de kamas, vous faites perdre 1 000 euros à la personne. Donc c'est vraiment dégueulasse. Donc je ne fais tout pour. Tout de même, je vous donnerai aucun indice. Ça sert à rien de me demander dans les commentaires. Mais il y a quand même. C'est pas un hack, comme je vous ai dit sur Dofus Touch. Les hacks sur Dofus Touch directement connectés au serveur, cela n'existe pas et n'existera jamais. Étant donné que les serveurs en Kama Games et de beaucoup de jeux payants sont extrêmement sécurisés, extrêmement bien sécurisés et empêchent ce sort de hack pour éviter de foirer le jeu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop embrouillé. Ah oui, aussi un petit point que je n'ai pas abordé. Bien évidemment, le mec, pour vous mettre en confiance, il a dans les commentaires. Alors, bien évidemment, il a 169 likes, 106 000 vues, mais il a que 8 commentaires. Il y a juste 8 mecs qui sont dit, tiens, je laisse un commentaire. Et les 100 000 autres, ils sont dit, je fous rien, je mets pas de commentaire. Et là, vous voyez, bien sûr, super, ça marche jusqu'à maintenant. En vrai, il y a une option qui fait que vous pouvez supprimer les commentaires que vous voulez sur YouTube quand c'est votre chaîne et votre vidéo YouTube. Du coup, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Alors, attendez, je regarde 7 minutes 47, un petit peu quand même. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à. De toute manière, si vous participez au concours, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, faire tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Et surtout, ne faites pas de hack. Ça a aucun mérite. Et de toute manière, cela n'existe pas sur les jeux en Kama Games. Donc allez, ciao, ciao tout le monde.